Hey, bonjour à tous, Mickaël Cyr, moniteur de consommation physique et de sport à la BIF, c'est Bagotville, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un entraînement de force complet qui touche autant le haut du corps que le bas du corps. L'objectif de cette séance va être de développer notre force musculaire avec des exercices simples qui peuvent s'effectuer facilement à la maison. Donc, je vous recommande d'utiliser votre propre playlist pour plus de dynamisme. Également, prenez connaissance de l'avertissement qui suit et à tous, bonne séance. Excellent, nous allons commencer l'échauffement. Elle va durer environ 7 minutes. Donc, l'objectif de l'échauffement va être de vous préparer à la séance qui suit avec les exercices spécifiques à la séance. On commence maintenant. Donc, marche sur place, mouvement croisé des bras, aligné aux épaules. On garde les abdos engagés. Allez, on ne lâche pas. Encore 4, 3, 2, 1. Excellent. Toujours à la marche. Mouvement d'alternance des bras de haut en bas. Super important d'échauffer l'articulation des épaules. Vous allez voir, vous allez avoir de besoin pour la séance. Donc, je répète, haut du corps, bas du corps pour l'ensemble de la séance. Dans 3, 2, 1. Excellent. Donc, avec les poignets aussi, un bon échauffement des poignets. Dans 4, 3, 2, on continue, mais de l'autre côté, on ne lâche pas. Excellent. Allez, on ne lâche pas. Dans 3, 2, 1. Excellent. Maintenant, genou haut. Genou à la hauteur des hanches le plus possible. Et cette fois-ci, dans quelques secondes, nous allons nous aligner vers des jumping jacks, soit avec des sauts ou sans sauts. Je vais vous demander de montrer les deux options. Dans 2, 1, c'est parti. Donc, avec saut ou sans saut, hop. Donc, on fait une transition de gauche à droite. On referme les mains et les pieds quand on se déplace de côté. Donc, encore quelques répétitions. 11, let's go. 12, 14. On regarde le rythme. 4, 3, 2, 1. Cette fois-ci, nous allons continuer avec les exercices plus spécifiques. Donc, les pieds alignés aux épaules. On va commencer par un squat. Donc, en squat, on regarde le dos droit, les genoux aux épaules et on descend tranquillement. Donc, 3 secondes, descend. 1, 2, 3 et on remonte. 1, 2, 3 et c'est reparti. 1, 2, 3 et on remonte. 1, 2, 3. Excellent. Donc, vous remarquez que les pieds sont alignés avec les genoux alignés. Dans 3, 2, 1, on remonte. 1, 2, 3, et la tête est alignée avec le tronc. Cette fois-ci, on va continuer. Donc, on simule le premier exercice, donc les mains, les paumes vers le ciel. Et on descend en squat. On garde le poids bien aligné au milieu du pied et sur les talons. Encore une fois, 3, 2, 1, on recule un peu. Pied droit devant et on descend en fente. Le genou aligné à l'orteil, le genou arrière le plus près possible du sol et on repart. 1, 2, 3 et on remonte. 1, 2, 3 et on change. Et c'est parti de l'autre côté. 1, 2, 3, on monte. On se rappelle, abdos engagés. 1, 2, 3, excellent. On se remet face à moi. Les pieds plus larges que les épaules. On garde les orteils vers l'avant, mais on peut également légèrement faire une rotation vers l'extérieur pour être plus confortable. Et on vient chercher, simuler un fente latérale. Donc, genou aligné à l'orteil. On redescend et on remonte. 1, 2, 3. Et on recommence de l'autre côté, même côté. 1, 2, 3. Et on remonte. 1, 2, 3. Et on change de jambe. C'est parti. Le tempo que je vous donne, 3 secondes descente, 3 secondes montée, c'est la clé en fait de la séance. Donc aujourd'hui, nous allons surtout focaliser sur le tempo. Donc plus un tempo est lent, plus on va développer notre force musculaire et ça va être plus important aussi quand nous avons des charges un peu moins lourdes à la maison. Donc on continue, on garde le dos droit,
On descend tranquillement en squat. On me suit. On prend quelques secondes de pause. On met les deux mains au sol. On avance en position de planche comme ceci. On met ça en position quelques secondes. Il faut remarquer, on resserre les abdominaux. La gaine abdominale engagée. Je garde mes pieds quand même assez larges pour être plus confortable, pour être plus stable, car vous allez devoir tirer la paume de votre main vers la poitrine et redescendre, toujours en gardant les coudes près du sol. On fait ça quelques répétitions. Donc, 1, 2, 3, je descends. 1, 2, 3. Et l'autre côté, 1, 2, 3. Et je redescends. 1, 2, 3. Excellent. On remonte tranquillement. Comme ça ici, super! Donc, il y a des exercices que vous ne verrez pas pour l'instant, donc on va les voir par la suite, mais on va continuer avec les prochains exercices. Donc, au sol, toujours, comme ça ici, on descend tranquillement. Je vais amener mes mains vers l'avant, les pouces vers l'avant et simplement tirer mes coudes vers le tronc et je remonte vers l'avant et je recommence. Vous pouvez utiliser une serviette aussi pour bloquer vos mains, pour éviter que vos mains aillent trop vers l'extérieur ou trop vers l'intérieur, pour garder vraiment une posture adéquate, comme ceci, dans trois. On engage les omoplates, on regarde légèrement vers l'avant, mais pas trop, et on redescend comme ceci. On peut prendre des pauses et recommencer. Donc, ça c'est terminé. On remonte, push-up. On peut le faire sur les genoux. On descend, poitrine au sol, et on remonte. Toujours avec un tempo de 3 secondes. Donc, 1, 2, 3, et je remonte. 1, 2, 3, descend. 1, 2, 3, remonte. 1, 2, 3, descend. Excellent. Maintenant, pour terminer, on va s'échauffer un peu. On va faire plus d'étirements, d'exercices plus de souplesse. Donc, simplement se mettre debout. Donc, flexion latérale du tronc. 1, 2, 3. Je change de côté et j'expire. 1, 2, 3. L'autre côté. 1, 2, 3. Et c'est parti. 1, 2, 3. Excellent. Maintenant, genou haut. 1, extérieur. 2, 3. Je ramène. 1, 2, 3. Et change de côté. 1, 2, 3. 3, excellent, on revient, 2, 3, une deuxième fois de l'autre côté, 1, 2, 3, et on change, 2, 3, ça peut arriver que vous perdez l'équilibre, prenez un moment pour vous recentrer et vous repartez, excellent. Excellent, l'échauffement est terminé. Donc, vous avez fait à peu près 7 minutes d'échauffement. Donc, quand vous faites un entraînement spécifique de force, l'idéal est d'augmenter davantage le temps d'échauffement comparativement, par exemple, à un entraînement d'endurance. L'idée derrière, c'est de pouvoir maximiser le rendement musculaire tout en limitant les risques de blessures. Pour la séance aujourd'hui, donc, vous allez avoir 3 séries par exercice et chaque exercice, vous allez devoir effectuer un 5 secondes que je prépare le mouvement et un 5 secondes que j'effectue le mouvement. Donc, chaque répétition dure 10 secondes, donc 5 répétitions par exercice et certains exercices vont avoir un exercice de puissance combiné. Donc, l'idée là-dedans, c'est de pouvoir justement travailler la force et la puissance en synergie, tous les deux ensemble. C'est des composants qui travaillent super bien ensemble et en plus, on vient varier le tempo, ce qui vient diminuer la monotonie. Donc, j'espère que vous êtes prêts. On commence maintenant. La séance aujourd'hui, vous avez besoin d'une chaise. Vous avez besoin aussi d'un sac où vous avez mis de la charge dedans. De mon côté, j'ai mis mes livres d'école. Si vous voulez de la charge supplémentaire, un bon gros cartable avec bien des feuilles peut être super efficace. Également, pensez à vous hydrater, donc une gourde d'eau toujours près de vous, super important. Donc, les exercices aujourd'hui, nous allons commencer avec le squat Zerker, donc 5 répétitions. On vient placer les mains sous le sac comme ceci, on garde le dos droit, les pieds alignés aux épaules et ensuite, on va combiner avec des fentes sautées, 6 répétitions pour celui-ci. Donc, on commence dans 3, 2, 1 et on descend pour 1, 2, 3, 4, 5, je remonte, 1. 2, 3, 4, vous avez compris l'idée. On repart, c'est parti pour la deuxième répétition. Les genoux alignés aux orteils. Et on repart pour 3 autres répétitions.
Let's go! Il n'en reste pas beaucoup, il en reste 2, 3, 4, et je remonte. 1, 2, 3, 4 et 5. Et dernière fois, 2, 3, 4, 5, je remonte. 2, 3, 4, je dépose le sac et je m'installe pour les fentes dans 2, 1. C'est parti, donc je descends et je remonte pour 1. Et on remonte, 2, on amortit 3. 4, vous pouvez aussi le faire à la marche. 5, sans sauter. Et 6, excellent. Donc, je prépare mon chrono, 30 secondes de pause, étant donné que les charges ne sont pas aussi lourdes qu'un entraînement de force normale. Donc, on vient chercher plus au niveau du tempo. Si vous en voulez plus aussi, allez chercher de l'amplitude dans votre mouvement. Donc, de cette façon-là, vous allez recruter davantage vos fibres musculaires et par la suite développer la force à plus long terme. On recommence dans 10 secondes. Je répète, 3 séries. On a une de faite. Il en reste 2. On vient chercher sa charge dans 5, 4. Allez, dans 3, 2, 1. C'est parti. Let's go. 1, 2, 3, 4. Et je remonte tranquillement. Plus on est bas, plus ça devient difficile. Remonter. 2, 3, 4. Remonte. Excellent. Il en reste quelques-uns. Il en reste 3. On ne lâche pas. Abdos engagés. On garde le dos droit. Vous pouvez aussi le faire sans charge si vous le désirez. 4, 5. Il en reste 2. On garde le rythme. On est ensemble jusqu'à la fin. 2, 3, 4. Let's go. 1, 2, 3, 4. Et je remonte. 2, 3, 4, excellent. Je dépose la charge et je continue en puissance, soit en fente sautée ou en fente marchée. Donc, 2 déjà de fait. 3, 4, 5 et dernière fois, 6. Excellent. 30 secondes de pause. Il reste une série. Donc, je répète, hydratez-vous. C'est super important de garder une gourde toujours près de soi. Excellent. Donc, on recommence ça dans quelques secondes. On respire, abdos engagés, fessiers engagés, les genoux aux orteils. On commence dans 10 secondes. On vient prendre sa charge et on s'installe dans quelques secondes. 2, 1, c'est parti. On descend tranquillement pour la dernière répétition. On remonte. 2, 3, 4, remonte. Excellent. On commence à ressentir davantage l'effort au niveau des cuisses. 1, 2, 3, 4. On remonte. 2, 3, 4. Il en reste 2. 1. Allez, on me suit, on garde le rythme. Et dernière fois. 2. On va en faire une petite dernière juste pour la route. Allez, on remonte. Excellent. On dépose la charge et on est reparti pour les fentes. Donc, c'est parti. Hop! Tranquillement. 2. Allez le plus haut possible. 3. 4. 5. 6. Excellent. Donc, première série de fêtes. Premier exercice, pardon. Il en reste encore quelques-uns. On enchaîne vers le deuxième. Deuxième exercice. Cette fois-ci, nous allons continuer avec les jambes. Les pieds plus larges que les épaules. On l'a fait tout à l'heure. Cette fois-ci, nous avons besoin d'une charge. Donc, ce que nous avions fait, c'est fente latérale, genou aligné aux orteils et on remonte tranquillement. On fait 5 répétitions d'une jambe, 5 répétitions de l'autre. Et ensuite, on prend une pause de 30 secondes. Donc, pour cette séquence-ci, donc c'est le shoulder carry, donc c'est la charge sur l'épaule qu'on vient placer comme c'est ici. Et nous allons descendre du côté de la charge pour 5 répétitions. Et ensuite, on change de côté. J'espère que vous êtes prêts. On commence ça dans 2, 1. C'est parti. Donc, je descends tranquillement. Même principe qu'avec le premier exercice. Peut-être un peu plus rapide. On va redescendre un peu plus lentement. Donc, 3, 4, 5 et on remonte. 3, 4, 5. Excellent. Ça fait déjà 2 répétitions. On se rappelle, plus on est bas, plus
plus ça travaille aussi, plus de recrutement d'effets musculaires. Il en reste deux. On ne lâche pas. Excellent. Et on remonte. 3, 4, 5. Il en reste 1, 2, 3, 4. Et on remonte. 2, 3, 4. Excellent. L'autre côté. C'est parti. 2. Et on remonte. Vous remarquez que ma main est vraiment à côté à mon tronc. C'est juste un petit rappel pour me dire d'engager mes abdominaux. Vous pouvez utiliser le truc que vous voulez. De mon côté, c'est le mien. Je trouve ça efficace. 3. Allez, allez, allez. Yes! Il en reste 2. On garde le rythme. Et on remonte. Dernière fois. Et on remonte. Excellent. On dépose la charge. Comme ceci, on met son chrono à 30 secondes. Donc, on commence à ressentir beaucoup plus l'échauffement, donc un muscle plus réchauffé au niveau des quads, justement. Mais après ces deux exercices que nous avons fait au spécifique aux jambes, nous allons monter un peu plus au niveau des abdos et aussi des omoplates. J'espère que vous êtes prêts. On recommence dans 10 secondes. Donc, hydratez-vous. C'est une serviette pour vous éponger un petit peu. On commence ça dans 2, 1, c'est parti. Donc, on amène le poids au sol. On remonte. 3, 4, super. Allez, en abdos engagés. 3, 4, on remonte. 1, 2, 3. Aussi super important de garder la tête alignée avec le tronc. Pour être le plus fort possible, le plus stable et moins limiter les risques de se blesser au cou. Il reste encore une répétition par la suite. Tranquillement. 1, 2, 3, 4. Et on remonte. 2, 3, 4. Et on change de côté. C'est parti. 3, 4. On remonte. 2, 3, 4. Yes! Il n'en reste pas beaucoup. 1, 2, 3, 4. Et il reste encore 2 répétitions. 3, 4, 5. On remonte. Allez, 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 on garde le rythme. Dernière fois. 1, 2, 3, 4. On remonte. Allez, 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 allez. Excellent! On dépose 30 secondes. Il reste une série avant d'enchaîner vers une autre zone du corps. Donc, on s'hydrate, ça achève. On ne lâche pas, on garde le rythme. Je répète, si la charge sur l'épaule est trop intense, vous pouvez changer en cours de route. Et hey, en passant, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais on va en parler un peu plus. Mais les deux mouvements qu'on vient d'effectuer, il y a une petite spécificité au test force. Je laisse le temps d'y réfléchir. On s'installe dans 2, 1, c'est parti. Donc, si je viens placer ma charge à mon épaule, ça vient un peu chercher la position qu'on a quand on fait la course navette intermittente avec et sans charge, par exemple. Donc, et quand vous faites, par exemple, le sugar squat, on remarque un peu que là, c'est une autre position de la course navette qu'on peut adopter, mais aussi, surtout, au niveau de la traction du sac de sable, qu'on vient tirer le sac, on a les coudes fléchis, les mains, poignets sont forts. Donc, gardez ça en tête quand vous faites l'exercice. Vous dire, Krim, je vais au moins pratiquer au moins ma posture. En vue du prochain test force. Et on remonte, on change de côté. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Et on remonte. 1, 2, 3, 4. Excellent. 2, 3, 4. Remonte. Ça va faire 2 répétitions. Il en reste 3. On ne lâche pas. 2, 3, 4, 5, allez, 2, 3,
4. Encore quelques fois. 2, 3, 4. Et on remonte. Ouh, commence à fatiguer, on ne lâche pas. Il reste une répétition. 3, 4, 5. Remonte. 2, 3, 4. Et voilà, excellent. Deuxième série, deuxième exercice d'effectuer. On enchaîne au troisième. Troisième exercice. Donc, cette fois-ci, on combine abdos, omoplate, épaule. Donc, l'exercice en tant que tel, c'est que nous allons effectuer la planche sur une chaise, abdos engagés. Vous pouvez aussi le faire sur les genoux si désiré. Et ce que vous allez faire par la suite, avec un sac que vous avez des poignées ou simplement si vous êtes capable de tenir votre sac avec votre main, peu importe la position, ça fait aussi. Donc, l'exercice en tant que tel, vous allez chercher votre charge et pendant 5 secondes, 1, 2, 3, 4, 5 et je descends, 2, 3, 4, 5. J'en fais 5 répétitions d'un côté, 5 de l'autre. Si jamais vous avez des douleurs au poignet ou peu importe, vous pouvez soit mettre un point, OK, ou encore le faire comme ceci en gardant le dos droit. Tout simplement venir chercher au bas, comme ceci. Donc, j'espère que vous êtes prêts. On commence ça dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Abdos engagés. 2, 3, 4. 5, descend, 1, 2, 3, 4, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, encore quelques répétitions, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et dernière fois, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, et on dépose, on change de côté. Donc, je rappelle, vous pouvez aussi le faire comme ceci, on regarde le dos droit, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, dépose. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, let's go, vous comprenez le principe. 2, 3, 4, 2. Allez, allez, en reste 3. Dans 2, 3, 4, 5. Puis pour ceux qui ont des faiblesses à l'épaule, ce sera un bon exercice justement pour déterminer quel côté est le plus problématique. Donc, en regardant le dos droit, quand vous constatez le côté qui est plus fragile, mais mettez un plus grand emphase sur ce côté-là, justement, pour bien faire le mouvement. Déjà 30 secondes d'effectuer, 30 secondes, un exercice, un setup d'effectuer. Il reste encore deux séries. Donc, 30 secondes de pause avant d'enchaîner. Donc, on se rappelle, vous avez le choix soit en planche ou les pieds bien ancrés au sol. Donc, un bent over row normal, une tirade normale. Pensez à bien engager les épaules, ramener les omoplates vers l'arrière, donc comme si vous aviez un crayon qui était tenu par vos deux omoplates. J'espère que vous êtes prêts. On enchaîne vers la deuxième série. Dans 2, 1, c'est parti. Donc 1, 2, 3, 4 et on dépose. 1, 2, 3, 4, dépose. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, let's go. Encore 3 répétitions. 2, 3, 4, hop. 2, 3, 4, et voilà. Encore 2, 3, 4, ouh. 2, 3, 4, dépose. On remonte. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On change de côté. Donc, en plus de l'exercice statique comme ceci, c'est une autre façon, en fait, pour développer la force. Donc, vous avez soit les mouvements lents, les mouvements explosifs, mais il y a aussi les mouvements statiques. Donc là, on vient combiner les mouvements lents et les mouvements statiques dans cette séquence. Attention, on ne lâche pas dans encore une répétition de fait. Il en reste quelques-uns. On remonte. 3, 4, et voilà. 1. 2,
3, 4. Je rappelle, vous pouvez aussi mettre vos pieds sous vos épaules. Encore 3 répétitions. 2, 3, 4. 2, 3, 4. On lâche pas. Ouh! Ça travaille, ça travaille. 2, 3, 4. Excellent. Dernière fois. 1, 2, 3, 4. Et on change. 1, 2, 3, 4. Ouh! Excellent. Ça fait encore 30 secondes. Donc là, les épaules commencent à être beaucoup plus épuisées. Donc moi, ce que je vous recommande peut-être pour la suite des choses, c'est de le faire vraiment le mouvement normal. En regardant le dos droit, les genoux légèrement fléchis comme ça ici. Sinon, pour ceux qui ont des bons abdos, leur risque est moins élevé peut-être au niveau des épaules, vous pouvez continuer à le faire. Donc moi, je vais terminer avec ceux qui ont plus de difficultés. Dans 2, 1, c'est parti. Let's go. On regarde à droite. 2, 3, 4. Et on dépose. 1, 2, 3. Excellent. On regarde le rythme. 2, 3, 4. Excellent. Dépose. 2, 3, 4. Vous pouvez aussi augmenter le niveau de difficulté en amenant un pied vers l'arrière. Vous êtes un peu plus instable. Vous pouvez aussi le faire, sinon, avec une main, pas une main, mais un pied levé. Ça, c'est pour si vous voulez faire une série supplémentaire. On ne lâche pas. 2, 3, 4. Dernière fois. 1, 2, 3, 4. Et dépose. Excellent. L'autre côté dans 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, et on dépose, 2, 3, 4, on remonte, 2, 3, 4, excellent, 1, 2, 3, 4, ça fait 2, 3, 4, 5, 1, 2, allez, 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 pour une deux dernières fois, on garde une bonne posture. Excellent. Allez, 1, 2, 3, 4. Excellent. On dépose. 3 exercices de fait. Il en reste quelques-uns. On ne lâche pas. Donc, pour l'exercice, donc des triceps dips, soit vous placez les mains vraiment sur la chaise. Vous éloignez vos pieds de sorte que vos fessiers, en fait, s'éloignent de la chaise, mais pas trop. Il faut vraiment être le plus près possible et simplement descendre vers le bas et on remonte. L'idée aussi d'avoir deux chaises, c'est qu'avec deux chaises, vous pouvez, par exemple, être beaucoup plus près de votre corps puis vous êtes moins compensé au niveau de vos épaules. Et également, nous allons enchaîner vers des power push-ups. Donc, ça va être des push-ups explosifs. Donc, l'idéal serait de décoller les mains du sol et de les amortir. Si c'est que vous êtes prêts, on commence ça dans 3, 2, 1. C'est parti. Donc, 1, 2, 3, 4. Remonte. 1, 2, 3, 4, et on descend. 1, 2, 3, 4, remonte. 1, 2, 3, ça fait 2. On ne lâche pas. 2, 3, 4, remonte. 1, 2, 3, 4, il en reste 2. 1, 2, 3, 4, remonte. 1, 2, 3, 4, et dernière fois. 1, 2, 3, 4, remonte, 1, 2, 3, 4, excellent. Et on s'installe pour les push-ups dans 3, 2, 1, on en fait 6, c'est parti. Allez, pour 5 encore, 4, on pousse les fesses sur les genoux, 3, 2, 1, excellent. Et on a une pause de 30 secondes. Donc, lui, il peut être efficace aussi quand on n'a pas de poids ou d'élastique. Par contre, faites attention aussi de ne pas trop amener les épaules près des oreilles, des lobes d'oreilles. Ce qu'on veut, c'est les éloigner le plus possible. On garde cette position-là et simplement descendre, fléchir les coudes et on remonte. Hop! Tout simplement, si vous avez deux chaises, ça va travailler plus vos pectoraux. Fait que ce serait intéressant pour ceux qui désirent développer davantage aussi cette zone-là.
Donc, j'espère que vous êtes prêts. On recommence dans 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4. On remonte. 3, 4. Un peu trop vite. On descend tranquillement. 2, 3, 4. Remonte. 1, 2, 3, 4. Allez, 2, 3, 4. Remonte. 1, 2, 3, 4. Excellent. Encore 2. 4, 5, remonte. On a 3 de fin, il en reste 2. 1, 2, 3, 4, 5, remonte. 1, 2, 3, 4. Et dernière, 1, 2, 3, 4. On remonte. 1, 2, 3, 4. Excellent. 5. Et on vient en push-up. C'est parti. Allez pour 1, 2, 3, 4. 5, allez, 6, il en reste seulement une série. Une série, ça va vraiment vite pour vrai, on ne lâche pas. Donc, on se rappelle, abdos engagés. J'ai constaté de quoi, vous pourrez peut-être l'essayer. Si jamais vous avez un support justement ici là, pour vos bras, imaginez si vous êtes capable de placer vos mains à l'intérieur. Essayez de voir pousser, placez vos coudes, puis tentez juste de pousser un peu contre ça ici. Vous allez voir que ça vient chercher un peu plus d'effort. Ça pourrait peut-être être intéressant. Vous pouvez me dire dans les commentaires aussi si ça fonctionne pour vous. Moi, je trouve que ça va bien. Puis en même temps, bien, ça me permet de travailler aussi un peu les muscles qui servent plus pour la rotation des bras. Et c'est parti pour une dernière série. Allez, on ne lâche pas. 1, 2, 3, 4. Remonte. 1, 2, 3, 4. Ça fait une. On regarde le rythme. 4. On remonte. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Ça va bien, lâche pas. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez aussi vous aider avec vos pieds pour remonter. 4, 5, 1, 2, 3, 4. Et dernière fois. 1, 2, 3, 4. 4, et on remonte, 1, 2, 3, 4, excellent, 5, et on termine ça avec les power push-ups, donc push-up explosif, c'est parti pour 1, 2, 3, 4, let's go, 5, dernière fois, hop, excellent, donc là, nous avons un autre exercice effectué. Prochain exercice, on a combiné les abdominaux ainsi que fessiers et les adducteurs. Donc, l'exercice que vous allez faire va être combiné avec des ponts fessiers, qu'on va voir tout en même temps. Donc, l'exercice en tant que tel, vous avez besoin d'une chaise et ça s'appelle en anglais le lateral leg lift, donc élévation latérale de la jambe, donc sur chaise. Vous placez votre pied le plus près du plafond sur la chaise et vous placez l'autre pied complètement au sol. Vous soulevez vos abdominaux, les hanches comme ceci, et vous venez simplement contracter, rapprocher les pieds ensemble. Donc, vous pouvez le faire soit sur les coudes ou sur les mains. Dans le cas où c'est compliqué pour vous justement de faire ce mouvement-là, vous êtes moins fort, vous pouvez tout simplement vous placer sur le côté comme ça et tout simplement soulever votre pied et ramener tout simplement pour venir travailler les adducteurs. Donc, j'espère que vous êtes prêts. 5 répétitions d'un côté, 5 de l'autre. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ça fait 1. On remonte. Celui-ci, on peut se permettre d'aller un peu plus rapidement. C'est quand même assez intense. Donc, 3. Il en reste 2. 4. Et dernière fois, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte et on descend. Super! On change de côté. Donc, hop! Pour la démonstration, moi, je vais tout simplement changer la chaise de bord. Vous, juste à vous retourner et dans 2, 1, c'est parti. Hop! On descend. Une fois. Deux fois. Trois fois. 4 fois. Et dernière fois. Excellent. Cette fois-ci, pont fessier. On peut le faire soit au sol ou avec la chaise. Donc, les genoux
fléchis 90 degrés, les talons sur la chaise comme c'est ici, et tout simplement lever le bassin, donc hop, et on descend tranquillement, 1, 2, 3, 4, hop, 1, 2, 3, 4, hop, 2, donc engagez les fessiers, très important, hop, il en reste quelques-uns, 5, 2, 3, 4, et dernière fois, 1, 2, 3, 4, excellent, donc on prend une pause de 30 secondes, c'est parti. Donc, vous remarquez, super important dans cette séquence d'exercice-là, c'est de garder les abdos engagés, ne pas affaisser la hanche pour garder la posture le plus droit possible, autant quand vous faites le premier exercice que vous faites aussi les ponts fessiers. Donc, imaginez justement que le nombril rentre vers l'intérieur de votre corps et évitez tout simplement de soulever la hanche le plus haut possible. On veut garder le ventre plat au maximum. Attention, j'espère que vous êtes prêts. Dans 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, hop, 1, 2. Et comme je vous l'ai dit, c'est moins confortable. Vous pouvez aussi le faire sur les mains au lieu d'être sur les coudes. Et dernière fois, 2, 3, excellent. On change de côté. Dans 3, 2, 1, c'est parti. C'est sûr qu'avec les poignets, c'est plus compliqué si vous avez des douleurs, par exemple le tunnel carpien, le syndrome du tunnel carpien, ou encore simplement que l'impact est beaucoup trop important. Donc, c'est pour ça qu'être sur les avant-bras peut être déjà une alternative intéressante. Et dernière fois, hop, 2, et voilà. Donc là, on est rendu à finir notre deuxième séquence avec les ponts fessiers. Donc, dans 3, 2, 1, c'est parti. Hop, 1, 2, 3, 4, hop, 2. Allez, on reste avec moi. On lâche pas, c'est parti. Allez, hop, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, dernière, 6, 2, 3, excellent. Il reste encore une série avant d'enchaîner vers le dernier exercice. Donc, on n'oublie pas, on s'hydrate. On prend le temps qu'on a besoin, donc 30 secondes de pause effectivement, parce que là, on n'a pas de charge, on n'est vraiment pas de corps. Donc là, avec une pause légèrement plus courte, on permet entre autres d'être un petit peu plus fatigué. Donc, on voit qu'il y a comme un petit stimulus à l'entraînement au niveau fatigue, autant au niveau force aussi. Donc, on sait qu'à la fin, on va quand même sentir un effort fourni. C'est ce qui va être super important. Attention, on se prépare pour la dernière série, dans 3, 2, 1, c'est parti. Hop! Donc, on amène les hanches légèrement vers l'avant, comme une planche normale. 2, 3, hop, 3. Excellent. 4. Et dernière, 5. Super! On change de côté, on s'installe pour 5, 4, 3. Allez, on reste avec moi, c'est quasiment terminé. C'est parti, allez, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, dernière, 5, 2, 3, excellent. Allez, on s'installe sur la chaise avec les talons. On commence ça dans 2, 1, et on lève, on dépose tranquillement, 2, 3, 4, hop, 1, 2, 3, fessiers, hop, 2, 3, 4, soulève, 1, 2, 3, 4, allez, encore deux dernières, dernière fois, hop, 2, 3, 4. Excellent, nous sommes maintenant rendus à la partie retour au calme. Prenez une petite musique de détente, préparez-vous. Donc, vous allez vous installer en posture de l'enfant, les mains au sol, les doigts bien écartés. On pousse le poids légèrement vers l'arrière pour essayer de mettre les fessiers au niveau des talons. Ensuite, on amène le front
Ne plus passer vers l'avant pendant une minute de temps. Donc, j'espère que vous êtes prêts. On relâche, on respire, on profite de la séance, de ce moment, pour se rappeler l'effort qu'on a fourni. En inspirant, on gonfle l'abdomen vers les quads et on relâche à l'expiration. Excellent. On garde le rythme. On continue. Encore 30 secondes. Détendez votre dos. Tranquillement, on vient sortir de la position. Donc, on vient placer les mains près des genoux. On pousse les mains contre le sol. Ensuite, on place les genoux un petit peu écartés, les doigts de pied rapprochés. Et tout simplement, avec une main derrière, on pousse les hanches vers l'avant en amenant le bras le plus loin vers l'arrière possible. Donc, on maintient la position dans quelques secondes. On vient ouvrir le haut du corps, les pectoraux. Aussi, étirer le quadriceps et le psoas. Encore quelques secondes. On relâche de côté. Et on vient changer de côté tout simplement. Excellent. Profitez-en pour étirer aussi le biceps en allongeant le bras. Doucement, encore quelques secondes. On sort tranquillement de la position. On en profite pour s'asseoir. Excellent. On amène la jambe fléchie, la jambe fléchie, la jambe gauche allongée. Et tout simplement étirer l'ischio jambier, soit avec une seule main ou les deux mains rapprochées. Ça peut arriver qu'on perde quelques pouces, puis c'est normal. On en profite pour se détendre. Ah, se dire qu'on a passé une belle séance. On relâche tranquillement, on change de côté et c'est parti. On relâche, on en profite, c'est votre moment à vous. Encore quelques secondes. Excellent. Ensuite, vous allez placer la jambe droite par-dessus la jambe gauche, comme ça ici, et tout simplement fléchir la jambe gauche pour allonger et allonger justement les bras, donc, et amener les épaules vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Vous ressentirez un étirement au niveau fessier. C'est tout à fait normal. Si vous poussez aussi, amenez votre genou vers l'avant, en tournant légèrement votre jambe, ça va accentuer l'étirement de vos fesses. Encore quelques secondes. On respire. On change de côté. C'est parti. Après ça, il va nous rester un exercice à faire. Un exercice d'ouverture des pectoraux. Quelques secondes. On relâche tranquillement.
On s'installe sur les genoux et tout simplement, pendant quelques secondes, allongé. Les mains le plus loin possible, on ouvre la cage thoracique. On peut même se permettre d'être vraiment plus élevé. Et pour ceux qui veulent un niveau de difficulté plus élevé, vous pouvez placer vos doigts croisés et tout simplement faire le même principe. Ouvrir la cage thoracique, regarder vers le haut. Pendant 4, 3, 2, 1, et on relâche. Félicitations et merci d'avoir participé à l'entraînement en force complet. Donc, vous remarquerez qu'en entraînement de la force, on vient maximiser, en fait, on vient augmenter la capacité de nos muscles à générer de la force et à soulever des charges beaucoup plus lourdes. Ça peut être intéressant, par contre, pour des tâches militaires communes, comme le soulèvement de charges, le placement d'une victime ou encore faire des fortifications. Vous remarquez aussi que pour le déplacement de charges, on a positionner le sac en fonction de la course à mètre intermittente, mais aussi pour le drag, donc l'attraction des sacs de sable. Donc, si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, vous pouvez toujours venir voir notre chaîne YouTube, donc Service de bien-être moral des Forces armées canadiennes, donc SBMFC. Vous pouvez aussi aller voir, on a beaucoup d'entraînements spécifiques pour le Test Force, mais on a aussi des entraînements spécifiques pour tout ce qui est yoga, il y a aussi des capsules d'entraînement. Donc, n'hésitez pas à venir vous abonner. N'oubliez pas aussi de laisser un commentaire, parce que je veux savoir comment a été votre séance. N'oubliez pas également, si jamais vous avez une blessure, de remplir un CF98 aussi dans ce cas précis. Donc, c'était Michael Cyr, moniteur de conditionnement physique et de sport à la BSC Bagotville. Et je vous souhaite à tous bonne journée.